Yo les gars, c'est Nsi, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que je vais pas parler trop fort vu qu'il est 4h40 du matin. J'ai pas dormi, pas pour jouer à Honkai Star Rail, mais voilà, j'ai pas dormi. Et on a du coup le nouveau personnage Jing Liu qui est là avec carrément une grosse mise à jour. Je savais même pas, j'avoue que carrément j'étais du père. Donc il y a un nouveau pass de combat, je viens de l'acheter. Et je pense que le pass de combat ça va être la seule et unique chose que je vais acheter dans le jeu. Parce que j'ai déjà mis tellement de thunes si vous vous rappelez mes premières vidéos sur le jeu. Mais du coup, j'ai acheté le petit pass de combat. On a aussi reçu dans notre boîte aux lettres un cône. On a reçu celui-là. Enfin, je sais pas si tout le monde l'a reçu, mais moi je l'ai reçu. Donc ça m'a permis de le mettre R4. C'est pas mal, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, le pass de combat, il me manque. Il me manque quoi comme cône? Alors. Celui-là je l'ai, celui-là je l'ai, celui-là je l'ai, celui-là je l'ai. Je crois que à l'heure actuelle il y a eu 4 passes de combat, donc plus lui ça fait 5. Donc c'est-à-dire qu'après il m'en manquera plus que 2. Et après je pourrai arrêter d'acheter les passes. Donc il me manque le cône là, celui-là et celui-là. Je sais pas quel est le meilleur des 3, mais bon, c'est cool. Et d'ailleurs, en cône 4 étoiles, il m'en manque juste un seul que je sais pas, j'ai jamais eu. C'est un cône préservation avec marche dessus. Donc voilà, si jamais on peut l'avoir dans la vidéo, ça serait cool. On a du coup plein de nouvelles missions, des nouvelles missions d'ailleurs, des missions prérequises, genre des trucs de pionnier, je sais pas quoi. Donc on fera ça plus tard. Donc je sais pas ce que c'est, on verra. On a les missions de compagnons, bien sûr. Ça va être un gros event. Les démonstrations de personnages, que j'ai pas encore fait, je devrais le faire après. Et on a un login bonus, à peu près comme d'habitude. Ils aiment bien faire ça. Donc ça va être très plaisir avec 10 petits tickets. Donc voilà, maintenant on va évidemment invoquer. On a une petite solo d'abord. On va skip. On n'a rien eu. Et dans la boutique d'ailleurs, est-ce qu'il y a des nouveaux trucs? Enfin, il n'y a pas de reset. C'est logique. Ok. Bon bah les gars, c'est parti. Alors le cône, je vais pas l'invoquer. Je n'ai invoqué aucun cône de toute ma vie, à part celui de scellé au début du jeu. Et donc je vais pas l'invoquer. C'est un peu des pertes de thunes. D'ailleurs, je sais pas si un jour il y avait le cône qui me manquait. J'ai même pas fait attention. Il y avait peut-être le cône qu'il me fallait un jour. Mais du coup, là, il est pas là. Je les ai déjà ceux-là. Et les 4 stars ici, malheureusement, je les ai tous. C'est 6, je crois. On va regarder ensemble. Cette vidéo va être un peu longue, les gars, mais c'est chill. Il est 4h du mat. On est fatigué. Alors, Tingyun. Pardon, c'est là. Merde, qu'est-ce que je suis perdu. Ok, Tingyun, c'est 6. Évidemment, c'est l'un des meilleurs persos du jeu. Fallait que je laisse 6. Lui, C6. Et Shinkyu est C6. Putain, mais j'ai tout. En même temps, j'ai presque tous les persos C6. Donc bon. Enfin, E6. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer un truc. Le cône qui me manque, c'est celui-là. Voilà. Je sais pas si c'est un cône perma. Mais je sais pas, je l'ai jamais vu de ma vie. Trop bizarre. Bref, assez parlé. C'est parti. On est en combien d'avocats? On est en combien de pity? Historique. Ah bon, non, zéro. Ah oui, c'est vrai. Fushuan, je me rappelle la vidéo. Invocation, on l'avait pas eu. Et donc, il me manquait. Genre deux singles pour l'avoir. Donc, j'étais allé en single. Bon, bah, bref. C'est parti, les gars. Première multi. Ok, on n'a rien. C'est normal. Je suis pas réputé pour être très chanceux. Surtout les gachas, je vais jusqu'à la pitié. Et je perds mon 50-50. Alors là, du coup, ce qu'on veut, c'est le cône que je vous ai dit que j'ai pas, même si je pense pas l'avoir, parce que c'est un cône très rare, j'ai l'impression. Ou sinon, parfait, Désor Focus. Bon, mais je l'ai déjà E6, j'ai déjà E6, mais c'est pas grave, ça fait plaisir un Or Focus. Je préfère avoir un Or Focus E6 que j'ai déjà plutôt que les trois là. Juste pour dire, tu vois. Oh! Oh, let's go! Oh, les gars, early de fou, 20. 20, enfin 20 invocations. Faut vraiment qu'on gagne, les gars. Faut vraiment, vraiment qu'on gagne le 50-50. Vraiment. Vraiment, vraiment. S'il vous plaît. En fait, faut le gagner. Sinon, je n'ai plus d'invocation. Sinon, j'ai plus rien. Allez, 2. 3. Let's go! Oh là là! Oh putain! Oh là là, ouais! Wow. Mais. Les gars, je crois que vous vous rendez pas compte. Je n'ai jamais de chance. Jamais, jamais, jamais. On a une early.
Oh, même pas 20, c'était combien? J'ai pas compté. 15 et quelques? 20, on va dire. En moins de 20 invocations, en 50-50, j'ai un putain de. Oh! Le pire, c'est que je vais même pas la jouer. Désolé, Jingliu, mais je t'aime bien, mais je vais pas te jouer. Putain, les gars, je suis trop content. Je vous jure, je suis trop content. Je peux pas crier, il est 5h du mat. Purée. Donc, j'ai bien fait de faire une nuit blanche au final. Oh là là. Mec, ça fait trop plaisir. Je suis trop trop content. Je suis trop content. Sempo. Mais le pire. Attends, on était quand même pas mal. Attends, donc on est à 3, 4. Donc en 14. 14 invocations. Purée, purée, purée. Bah franchement. Bah ça régale. J'ai bien fait de parler pendant l'intro, pendant 3 ans, vu qu'on l'a eu en early. Mais vraiment, les gars, en plus, le pire c'est que les 4 stars. Bah, je les ai tous E6, vous l'avez vu. Donc, ça m'aurait quand même un peu fait chier, tu vois. Genre, de faire des invocations juste pour le 5 star, c'est un peu relou. Et moi, je vous conseille pas, franchement. Même si c'est un perso que vous aimez bien, si jamais vous avez déjà les 3 persos E6, que ça soit sur elle ou les persos à venir, je conseille pas, en fait. Ça va vous donner quelques singles, mais c'est pas rentable. Vaut mieux avoir une multi où vous n'avez pas encore les persos 4 stars. Comme ça, vous avez tout gagné. On va pas aller sur la bannière du cône. Les petits youtubeurs Honkai Star Rail, ils auraient eu une early comme moi, ils seraient allés sur le cône tout claqué. Mais bon, déjà que j'ai pas grand chose, on va garder pour le prochain perso. En plus, le prochain perso, il est incroyable, je l'aime trop. Elle est trop belle avec son petit cochon là. Et il y a en plus un 4 star, il y a Gwynafen. Donc la prochaine bannière, elle va être très très cool. Du coup, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ah, c'est dommage qu'il y a le petit bandeau. Oh, attends. Ils ont rajouté ça? What the fuck? Il y avait pas ça avant dans le jeu. Maintenant, le personnage, il suit la caméra. Bah, c'est stylé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord l'améliorer un petit peu. Hop, juste pour avoir la single. Je fais tout le temps ça avec mes persos. Hop, enfin, pour avoir les deux singles plutôt. Hop, on en a combien là? Non, il en manque une, donc niveau 40. Voilà, tous mes persos que je ne joue pas, je fais ça. Voilà. C'est pour ça que vous pouvez voir, ils sont absolument tous 40, 40, 40, 40, 40. Bon là, vous allez me dire, c'est une dinguerie que tu joues pas ces persos et tout. Ouais, mais les gars, il y a trop de persos dans le jeu, je peux pas jouer tous les persos. Ah, mais j'ai déjà récupéré les récompenses. Attends. Ah non, faut que je l'élève. Ah, mais il manque un matériel. Bah, j'irai le chercher après. Bref, voilà, c'est tout pour ce petit perso. Je vous montre un peu les stats si ça vous intéresse, mais on s'en fout un peu. Enfin, les stats, enfin, je veux dire, du perso. Ok, bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bah, au final, elle sera plus courte que prévu, mais franchement, tant mieux, je suis très content. N'hésitez pas, bah, du coup, à liker, vous abonner, code créateur et tout. Vous connaissez. Allez, ciao!